Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter mon ami Laurent. Laurent, qui est investisseur immobilier. Salut tout le monde! Il est investisseur immobilier à Bali, en Indonésie. Et voilà, il est auteur d'un blog. Il donne pas mal de conseils, notamment pour les non-résidents. Et on est membre du même mastermind pour investisseurs expatriés. Donc, tous ceux qui investissent dans l'immobilier en France et qui sont non résidents fiscaux. Donc, bientôt, il va également investir dans l'immobilier ici au Canada. Donc, voilà, il a un parcours assez intéressant. Donc, je vais laisser Laurent se présenter. Salut, Laurent. Salut Florian, merci de de m'accueillir sur ta chaîne. Merci à toi. C'est assez sympa parce que je vois que tu démarres très bien. Lentement, mais sûrement. Oui, c'est absolument. Alors, comme Florian l'a dit précédemment, donc je suis expatrié. Donc j'ai un parcours qui est assez classique, on pourrait dire, pour la France. Donc d'abord, j'ai fait une école de commerce classique. Et puis j'ai été amené à travailler dans différents pays, donc en Argentine, à Taïwan, en Indonésie. J'ai fait un petit peu la France. Et au final, je suis vraiment expatrié depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et voilà quoi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'immobilier en quelque sorte. D'accord. Donc aujourd'hui, je sais que tu as une chaîne YouTube, tu as un blog où tu parles pas mal justement de ces Oui. sujets liés aux expatriés. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu partages dans ta chaîne? D'ailleurs, je mettrai le Oui. lien de sa chaîne juste en dessous si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots les différents sujets abordés dans ta chaîne YouTube? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, j'ai créé une chaîne pour les expatriés pour qu'ils puissent investir vraiment à l'étranger pour les accompagner. Parce que moi, en tant qu'expatrié, et surtout ce qui se passe, c'est que vous gagnez parfois, enfin assez souvent, de plus hauts revenus, mais les banques en France vous coupent tout type de financement. Donc dans le pays où vous résidez normalement, c'est plus difficile d'avoir accès au financement parce que vous êtes étranger. Et puis quand vous voulez avoir accès au financement en France, c'est aussi difficile. On ne sait pas pourquoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc j'ai commencé à creuser un petit peu comment on pourrait faire en sorte que les expatriés aussi puissent investir, aussi être rentables, sans avoir des conditions qui sont horribles. Parce que la France nous propose des taux d'intérêt, Très intéressant. même des grosses difficultés d'avoir d'accès voilà, aux prêts qui sont pas tolérables. Donc voilà, j'ai commencé à aider d'autres expatriés parce que Exactement. moi-même je suis passé par la même étape. Ouais. Franchement, ce que Laurent a fait, c'est vraiment très intéressant. En fait, il a vraiment créé également il a créé une communauté à laquelle dans laquelle je suis membre aussi, de pas mal d'investisseurs expatriés. Moi, ça m'a permis justement de nouer des contacts, notamment avec Anissé, qu'on salue d'ailleurs, d'autres personnes du groupe, voilà, même Nicolas, tout ça qui, voilà, finalement, on s'est échangé pas mal de bonnes astuces qui, moi, personnellement, m'ont permis d'évoluer dans mes investissements immobiliers en tant que non-résident, justement. Voilà, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton parcours immobilier? J'ai cru comprendre que, voilà, tu as investi, je sais que tu as pas mal d'opérations d'investissement à Bali, donc Bali que je connais pas du tout et Alors, que j'ai c'est. appris par Laurent justement. Oui, alors c'est pas à Bali en ce moment, c'est surtout en Indonésie, enfin à Jakarta, D'accord, d'accord. Où j'ai commencé. Alors, juste un petit mot concernant mon background. En fait, je me suis toujours intéressé à l'immobilier depuis que je suis jeune parce que mon père est dans l'immobilier. Et il m'a toujours dit qu'en fait, si je veux un jour devenir indépendant financièrement, il n'y a pas 36 000 solutions au final, hein. C'est Donc, clair. il m'a dit, c'est soit tu te maries avec quelqu'un qui est riche, soit tu gagnes avec une femme riche, soit tu gagnes au loto, soit tu décides de travailler dur et de monter en grade, mais vraiment au niveau PDG, Ouais. directeur, où on génère vraiment du cash flow, ou soit vous créez votre propre entreprise, qui veut dire aussi voilà, générer soi-même du cash flow, investir sur soi-même, c'est l'immobilier, la bourse, Ben, tout à fait. Internet et tout ce qui se passe à côté. Donc voilà, donc ce qui s'est passé alors, c'est que moi, dès que j'ai commencé à avoir de l'argent en tant qu'expatrié, et j'ai reçu mes premiers salaires je dirais qui était assez correct. Au lieu de dépenser n'importe comment et de voyager, d'avoir une meilleure qualité de vie, moi j'ai commencé à investir tout de suite et toujours maintenir le même niveau de vie que j'avais, même si Exactement. j'étais étudiant, j'ai maintenu le même niveau de vie qu'en tant qu'étudiant et tout l'extra que j'avais, le surplus que j'avais, Tu l'as investi, j'ai investi en Indonésie.
Alors, pour ceux qui ne savent pas, le marché d'Indonésie, voilà, c'est les marchés des pays émergents. Ce sont des marchés où les rentabilités sont très très fortes. Par contre, les risques sont aussi associés à cette rentabilité. C'est-à-dire qu'il y a Bien plus sûr, de risques, bien sûr, tout à fait. d'investir Ouais. en Indonésie qu'en France, Encore par France, exemple. ouais. Voilà. Et pour vous donner une petite idée, donc j'ai fait des achats-reventes là-bas. Donc je fais du x3. Donc j'ai dernièrement revendu un appartement. Donc j'ai gagné 3 fois à la mise que j'ai mise. En combien de temps? Ça s'est fait Ça s'est en... fait en 4 ans. Wow, donc En 4 ans, j'ai. 300% en 4 ans. Donc Voilà, c'est j'ai pas fait mal. 300% en 4 ans. C'est quand en Indonésie, on peut avoir des choses comme ça. Aussi, voilà, j'ai acheté un autre appart que je mets sur Airbnb. Il est tout en plein. Je fais du 90% de remplissage. Donc, c'est un appart que j'avais acheté 70 000 euros et qui rapporte 1 000 euros par mois. Et ça, Hop, depuis 2 ans et demi, sans interruption. Donc, voilà, ce sont vraiment des marchés ouais, qui fonctionnent ah, c'est si on peut investir. des rentabilités très très hautes quoi, avec la location saisonnière, ouais, parce que 1000 par mois fois 12, ouais, ça fait du ouais, plus de 13-15%, Voilà, c'est ouais, ça. oh, génial. Voilà, c'est ça. Mais attention, il faut pas donner aussi de faux signaux. Il y a beaucoup de travail derrière, donc c'est pas juste on investit en son argent en mettant Tout à fait, ouais. 70 000 euros et puis après voilà, ça Il y tombe a toute la directement. gestion, toutes Voilà. les enfin voilà, les gérer les locataires, les petits travaux, etc. Donc c'est pas Voilà. juste investir et Non. voilà, ça tombe du ciel. Il y a vraiment du travail derrière et c'est ça que Laurent a su bien faire de par ses différents investissements. Voilà. Donc en tout, quand même, en tout, pour tout, j'ai une maison en Indonésie et 3 appartements. Là, je vais commencer à investir dans d'autres maisons sur Bali, donc sûrement 2 autres. Et puis après, je viens te rejoindre au Au Canada Canada, pour les gros investissements, pour des immeubles de gros. rapport et tout. Voilà, parce que c'est un système qui est très différent. Quelques petits conseils pour ceux qui sont aussi expatriés, non résidents. Moi, je vois que en fait, il faut investir une partie qui est, je dirais, un peu risquée. C'est en fait une gestion de portefeuille. Il doit y avoir une partie investissement, on va dire, plus risquée, mais très rentable. Une partie investissement qui est très solide. Pour moi, c'est la France. Très solide, où on peut parler vraiment d'aventure. Et puis, il y a une partie où je dirais qui fait un peu l'intermédiaire Ouais, exactement, risque entre et... voilà, Ouais. le risque et la solidité, voilà, où c'est le Canada. Donc, c'est les Exactement, 3 pays jusqu'à maintenant que j'ai trouvé qui étaient vraiment profitable à l'heure actuelle pour un expatrié par rapport à leur système, leurs différents systèmes. Bon, chacun a leurs complications, ouais. mais Ouais, il y a des si. avantages et des inconvénients enfin, dans chaque pays, quoi. Il Ouais. faut juste s'adapter, pouvoir coupler les différentes stratégies. Ouais, Exactement. donc non, c'est intéressant. Oui, donc voilà, on a parlé d'objectifs. Donc voilà, là, tu as pu faire des belles opérations en Indonésie. Tu vas te divertir davantage. Et prochaine étape, c'est l'investissement immobilier ici au Canada, au Québec, où on est Ouais. présentement. Donc voilà, donc concrètement, quels sont tes objectifs d'ici, je sais pas, 5 ans? Voilà, comment tu te vois en termes d'immobilier? Tu Ouais. souhaites faire quel type d'opération? Ouais. Donc c'est vraiment important de toujours se projeter, de voilà, en quelque sorte visualiser un peu ses objectifs. Donc voilà, est-ce que tu peux nous partager un Ouais. peu ce que tu comptes faire d'ici les quelques années à venir? Ouais. Alors, je vais un petit peu reprendre ce que j'ai dit, je vais approfondir en fait. Moi, ce que je projette actuellement, c'est vraiment d'investir à Bali. Alors, pourquoi Bali? J'ai déjà investi à Jakarta, je connais bien, mais Bali, c'est un pays, enfin, c'est une île d'Indonésie, pour ceux qui ne connaissent pas, où il y a une rentabilité extrêmement forte. Ce sont des gens, enfin, les investisseurs là-bas font des grosses rentabilités entre 10 et 15% net. Donc, c'est ce qu'on fait à Bali parce que c'est une île qui est très internationale, Ah, beaucoup de où tourisme. beaucoup, énormément de tourisme, la location saisonnière tourne bien, les prix sont corrects. Et pour vous donner une idée, donc une maison à peu près de 190 000 euros, comme la dernière qui m'a été proposée, rapporte entre 3 500 et 4 500 euros par mois net. Donc voilà, c'est pour vous faire une idée. Par contre, bien sûr, il y a un petit challenge derrière ça, c'est que quand vous achetez la maison à 170 000 euros, il faut l'argent cash à mettre sur la table. Ouais, Donc donc c'est pas voilà, donc c'est ça un peu on ouais, le peut dire mauvais côté, mais le mauvais côté, c'est qu'il faut avoir les fonds déjà déjà disponibles. disponible. Mais après, le retour sur investissement, tu me parlais de 7 à 10 ans à peu près Oui. pour récupérer sa mise. Enfin, Donc ouais. exactement, les maisons sont remboursées pour n'importe quel type d'investisseur
qui n'est pas trop qui n'est pas trop débile si on peut le dire d'une ouais. Ben voilà, entre 7 et 10 ans, une maison elle est déjà remboursée 7 et 10 ans, et après voilà, on fait que la revendre, et puis ou bien on la garde si on veut tout simplement. Donc voilà, je prévois d'investir à Bali, je prévois d'investir en France, mais vraiment pas pour le cash flow, mais c'est vraiment pour le patrimonial. Ouais, voilà, parce que la France c'est vraiment un pays incroyable. Un immeuble haussmannien, il y en a plus. Ça ne se fera plus, par exemple. Ça va valoir toujours beaucoup d'argent. Paris, ça grandit, mais Paris sera toujours Paris. Ça sera toujours Paris, c'est clair. Moi-même, j'ai la même vision que toi. C'est vraiment que voilà, Paris, c'est-à-dire, ça reste Paris, c'est liquide. Demain, tu veux, t'achètes un bien à Paris. Si tu veux le vendre, tu n'auras pas de souci à le vendre. Donc, c'est vraiment une valeur sûre où tu peux vraiment préserver en fait ton patrimoine, comme tu dis. Et voilà, après, peut-être avoir des stratégies de transmission de patrimoine avec les enfants. Bon, ça, c'est l'objet d'autres vidéos et de formations. Mais voilà, c'est vraiment ça, en fait. Donc, il faut pouvoir diversifier géographiquement et même en termes de type d'investissement et de placement dans l'immobilier. C'est ça. Et petite astuce, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, pour ceux qui sont à Paris, beaucoup de gens disent « Ah, Paris, c'est trop cher maintenant, ça va pas continuer à augmenter comme ça parce que c'est totalement déconnecté du marché. » En voyageant, il y a quelque chose que j'ai réalisé, c'est que si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, à Londres, à Tokyo, à Hong Kong, à Singapour, enfin toutes les grandes capitales, eh ben, les prix continuent quand même d'augmenter et c'est complètement déconnecté des salaires des gens. Ouais. Et pourquoi? C'est que la raison est simple, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça en fait dans l'immobilier. Enfin, c'est ce qu'on m'a aussi appris quand j'étais très jeune, c'est que la terre elle finit. Donc la population augmente tout le temps, mais la terre elle est finie. Donc c'est pour ça qu'on dit que Paris sera toujours Paris. Paris ne va pas s'étendre sur des milliers de kilomètres, c'est fini. Donc c'est clair, la terre elle est finie et la population augmente. Et tant que ce sera comme ça, eh bien, les prix vont augmenter naturellement. Donc ça c'est pour la version Paris, et puis pour le Canada, ben c'est clairement pour le système financier qui est juste incroyable ici. Juste incroyable. Ce qu'on peut faire, qu'on maîtrise un peu comme Florian tous les rouages du système, on reste avec des investisseurs, voilà, c'est j'encourage pas mal d'investisseurs, notamment Laurent justement qui va bientôt devenir résident permanent du Canada pour ceux que ça intéresse. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent émigrer au Canada. Laurence, il a fait la demande d'entrée express. Donc là, il est venu en vacances avec la famille et tout pour visiter et tout. Mais il va bientôt avoir sa demande. Il va bientôt avoir sa résidence permanente. Ouais. Voilà, le Canada, franchement, ça permet d'avoir énormément de leviers. Aujourd'hui, moi, par exemple, je profite de ce levier-là justement pour investir en France. Donc, bon, ça fera l'objet d'autres vidéos, mais en gros, c'est vraiment ça. Donc, vraiment coupler les différentes stratégies, coupler les différentes zones géographiques pour pouvoir avancer dans l'immobilier. Donc, si tu avais quelques conseils, un ou deux conseils à donner à toi qui nous regarde, voilà, si tu veux démarrer dans l'immobilier, si quelqu'un veut démarrer dans l'immobilier, quel est le conseil clé que tu lui donnerais en tant que futur investisseur immobilier? Il y en a plein, mais... Oui, il y en a plein, mais et la vérité, c'est que ce que je veux dire, c'est un peu un classique. C'est que si on veut investir dans l'immobilier, faut y aller tout de suite, quoi. Faut passer à l'action, faut investir tout de suite. Exactement. C'est la clé. On peut vous donner tous les conseils sur Internet. Vous pouvez lire 15 livres par jour, tous les livres. Si vous passez pas à l'action, ça va rien changer. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre par vidéo ou en discutant avec des gens. C'est vraiment sur le terrain, en fait. C'est vraiment sur le terrain. Savoir comment négocier avec son banquier. Savoir comment présenter un dossier, on peut vous conseiller, mais c'est impossible de retranscrire en vrai. Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend, donc passez vraiment à l'action tout de suite. Et puis si vous pouvez, voilà, essayez d'avoir une santé financière au niveau de vos ça, comptes. C'est très important. C'est très, très, très important pour les banques et puis aussi pour rencontrer des investisseurs, d'autres investisseurs qui pour vous faire respecter dans votre milieu. Et donc voilà, c'est les deux conseils que je donnerais à l'heure actuelle pour vraiment un débutant. D'accord, parfait. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si tu l'as appréciée, je t'invite à la liker, je t'invite à la partager à toutes les personnes qui veulent investir dans l'immobilier. Je te mettrai le lien de la chaîne YouTube de Laurent ainsi que son blog. N'hésite pas vraiment à aller voir sa chaîne. Il a un contenu vraiment très bon. Moi, j'ai beaucoup appris de par ses vidéos et grâce à lui, j'ai rencontré des investisseurs vraiment remarquables. Donc franchement, comme quoi...
Je l'ai dit souvent, là, YouTube, ça te fait rencontrer énormément de gens. Donc, Ouais, bah, je suis d'accord. c'est la première fois qu'on se voit. Moi, on se connaît, ça fait bientôt plus d'un an, mais c'est la première fois qu'on se voit. Ouais. Bon, pas la première fois, mais il est venu à Montréal, mais on s'était jamais vu avant. Et Non. on a échangé au téléphone, là, discuté sur WhatsApp et tout. Et voilà, c'est juste par YouTube, en fait. Donc, vraiment, je t'invite vraiment à voilà, t'abonner à sa chaîne, à liker, à partager. Laisse tes commentaires si tu en as. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao.